Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là les gars, je vais vous présenter toutes les réductions et les nouveautés sur cette semaine sur GTA 5 Online les gars, tout simplement. Du coup voilà, en tout cas les gars, je voulais vous dire en tout cas un grand merci à vous tous pour les 6800 abonnés. C'est juste énorme les gars, on est même déjà à 6870, ça monte vraiment très 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 vite. Je sais pas comment vous remercier mais c'est juste énorme les gars. Voilà, go les 6900 abonnés maintenant. Les gars, plus que 30 abonnés et on est déjà aux 6900. Les gars, go les 7000 abonnés avant la fin de l'année. C'est largement faisable. Donc voilà, go go go, partagez ma chaîne YouTube un maximum à tous vos amis, tous vos proches. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Du coup les gars, pour commencer cette semaine sur GTA 5 Online, donc le véhicule du podium, c'est la Flash GT. Donc voilà, donc petit véhicule du podium. Donc pour ceux qui l'ont pas, n'hésitez pas en tout cas à tourner la roue pour pouvoir vous l'acquérir tout simplement. Du coup voilà, en plus c'est un petit véhicule sympathique pour les rallyes et tout. Du coup voilà, du coup les gars, il y a encore les gains des courses casse-cou doublé, d'accord. Il y a 42 courses encore une fois qui sont double RP et un double dollar. Donc pour ceux qui n'ont pas profité la semaine dernière, go profiter. Ou pour ceux qui veulent encore profiter, bah go profiter pour monter votre RP ou monter votre argent, donc pour les pauvres, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment hyper bien pour les pauvres ou même pour ceux qui veulent monter leur RP, ça monte vraiment très très bien. Du coup voilà, du coup il y a le nouveau contre la montre qui se trouve à Galen Park. Donc voilà, c'est un nouveau endroit pour faire le contre la montre. C'est une toute nouveauté sur GTA 5 Online, donc le nouveau contre la montre. Du coup voilà, donc il y a aussi le contre la montre RC qui se trouve à Vespucci Beach. Ok, du coup voilà, donc il y a la course premium qui se trouve à Page Urbain. Ok. Donc maintenant, passons directement donc aux réductions. Donc il y a la Trax qui est au prix de 1 743 000 et qui est à moins 25%. Il y a la S80RR qui a 1 673 000 dollars et qui est à moins 35%. Il y a la GB200 qui a 574 000 dollars et qui est à moins 40%. Il y a la GP1 qui a 756 000 dollars et qui est à moins 40%. Il y a ETR-R1 qui a 1 197 000 dollars et qui a moins 40%. Il y a la RE7B qui a 1 608 000 dollars et qui a moins 35%. Il y a la Autring Sabre qui a 498 000 dollars et qui a moins 40%. Il y a la Omnis qui a 420 000 dollars et qui a moins 40%. Et pour finir, il y a la Rocket Voltique qui a 1 872 000 dollars et qui est à moins 35%. Du coup voilà, c'est une très c'est une bonne réduction pour cette semaine. Du coup voilà, c'est vraiment pas mal. Donc dans les transformations Beniz, il y a la Elegy RH8 qui a 587 000 dollars et qui est à moins 35%, d'accord. Donc vous avez aussi moins 40% sur les freins, les moteurs, les suspensions, les transmissions, les turbos, les motifs et les aménagements intérieurs des véhicules, d'accord. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup voilà, donc il y a aussi une grosse nouveauté sur GTA 5 Online dans le casino. Regardez, quand on est dans le casino, on passe par la petite porte là, hop, on monte les escaliers, hop, on passe juste ici. Regardez, on va là, nickel. Regardez, déjà il y a un petit salon avec une petite secrétaire, regardez, hop, juste ici, qui travaille. Du coup ça c'est nouveau, il n'y avait pas avant. Regardez, hop, elle est là, nickel. Du coup regardez ce qu'il y a après, vous allez voir que là ce qu'il y a après, ça va annoncer donc le prochain DLC. Vous allez voir par la suite, regardez, on franchit la porte et regardez, boum, on est dans une pièce avec Madame Baker qui est juste ici, elle est assise sur le canapé, tac, nickel. Et il y a plein d'indices comme quoi c'est le nouveau DLC. Que le nouveau DLC, c'est à dire ça va être le braquage du casino. Ok, regardez, il y a plein de petits plans et tout. Regardez, sur la table il y a même un plan du braquage qui va se faire. Regardez, hop, nickel. Il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits détails qui font que ça va être un braquage du casino, qui font penser que ça va être ça pour le prochain DLC. En tout cas, c'est quasiment sûr que ça va être ça dans le mois qui arrive, quoi, dans les jours qui arrivent. Du coup, voilà.
En tout cas, les gars, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez de ça. En tout cas, c'est quasiment sûr que ça va être le braquage du DLC qui va arriver dans quelques jours, tout simplement. Du coup, voilà, car ça va être en décembre, évidemment. Du coup, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner. Go, les 6900 abonnés, je compte sur vous. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao! Humain.